Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement proposé par le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la faculté de droit et l'association des étudiants noirs en droit de l'UdeM. Je suis Virginie Mesguiche, je suis conseillère aux relations avec les diplômés et j'ai le grand plaisir d'être votre animatrice. En raison du nombre de participants, nous avons coupé vos micros, mais vous êtes invité à allumer votre caméra comme nos intervenants viennent de le faire et à partager vos questions et vos commentaires dans le chat qui se situe en bas de votre écran et vous en avez déjà l'habitude sous la section converser ou discussion plutôt. Comme dans tous les événements, nous vous demandons bien sûr de garder et d'avoir des propos respectueux en tout temps. Sans plus tarder, je vous propose et je vous présente notre première intervenante, France Houle. Elle est doyenne de la faculté de droit dont elle est doublement diplômée. Elle était précédemment vice-doyenne à la réforme et à l'administration des études de premier cycle. Ses champs d'expertise portent sur le droit administratif général, la preuve, la réglementation, les directives administratives et le droit global. Elle s'intéresse également au système migratoire et professionnel. Elle souhaitait vivement être des nôtres aujourd'hui. France, merci pour votre présence. Je vous cède la parole pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Madame Mesguiche. Maître Yolande James, Monsieur Abdulaziz Atta, chers invités et chères invitées, chers étudiants et chères étudiantes. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble un événement qui est vraiment mémorable, une initiative marquante qui nous tient tous et toutes particulièrement à cœur, puisque vous êtes là, et qui me rend aussi particulièrement fière. Alors, c'est avec une grande joie que je vous annonce la création de la bourse d'admission Yolande James, lancée par l'Association des étudiants noirs en droit de l'Université de Montréal. Alors, cette bourse vise à encourager les étudiants et étudiantes noires à soumettre leur candidature pour une admission dans notre programme de baccalauréat en droit. Elle reconnaît, met de l'avant et valorise le talent au sein de la communauté noire. J'applaudis l'Association des étudiants noirs en droit de l'Université de Montréal qui démontre depuis plusieurs années une réelle volonté d'encourager une relève qui est diversifiée dans la faculté de droit. Monsieur Atta, je vous présente mes plus sincères félicitations ainsi que à l'ensemble de votre équipe. Je salue tous vos efforts soutenus et votre dévouement exceptionnel, notamment pour la création de cette bourse. Alors, vous allez nous laisser un legs mémorable qui va continuer à se perpétuer non seulement dans notre faculté, mais également dans notre communauté juridique et dans les cabinets juridiques aussi. Donc, cet ancrage, j'en suis convaincue, sera perpétué par Mariam, qui prendra la relève cette année. Elle continuera, j'en ai aucun doute, à valoriser et à renforcer vos actions inclusives. Maître Yolande James, je vous remercie sincèrement et très chaleureusement d'avoir accepté de vous associer à cette initiative. Vous êtes un modèle d'inspiration. Alors, vous êtes, entre autres, la première femme noire à rejoindre le Conseil des ministres du gouvernement du Québec en 2007. Vous êtes également avocate médiatrice, conférencière et leader charismatique. Et maintenant, je suis contente de l'annoncer, la nouvelle directrice de la diversité et de l'inclusion à la Société Radio-Canada. Toutes mes félicitations, Madame James. Vous portez votre voix quotidiennement sur différentes plateformes avec cœur, conviction et générosité. Et surtout, vous montrez un engagement admirable qui résonne fortement dans la société québécoise pour faire entendre, comprendre et défendre l'histoire et la culture des Noirs. Alors, Maître James, Monsieur Atta, la faculté de droit est très fière de vous compter parmi nos diplômés et je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Bon événement. Merci beaucoup, Madame la Doyenne, pour cette introduction inspirante. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre premier intervenant, Abdulaziz Atta, notre, excusez-moi, deuxième intervenant. Il est le président sortant de l'Association des étudiantes et des étudiants noirs en droit de l'UdeM et il est à l'origine de la création de cette bourse. Fier de ses multiples identités en tant que Canadien d'origine nigérienne, Abdulaziz a toujours voulu mettre de l'avant l'importance de la diversité
et culturelle sous toutes ses formes. L'association dont il a assuré la présidence cette dernière année a pour mission de célébrer les étudiantes et les étudiants issus de la diversité à la faculté de droit de l'UdeM, ainsi que de promouvoir l'importance du droit pour les personnes racisées. Abdulaziz, la parole est à vous. Donc, merci encore, puis bonjour à tout le monde. Je suis très, très heureux d'être ici. Juste de faire une brève contextualisation de la raison pourquoi on voulait mettre en vigueur cette bourse. L'été passé, lorsque la majorité des étudiants devaient se confronter un peu aux défis et aux inquiétudes causées par la situation, la crise sanitaire qu'on vit en ce moment, nous, les membres de l'association, on avait la tâche supplémentaire de aussi réfléchir à comment on pouvait laisser un impact réel et concret pour les futurs étudiants noirs et encourager la diversité dans toutes les facultés de droit au Canada. Mais évidemment, après les incidents atroces qui ont eu lieu l'année passée, soulignés par les meurtres de Breonna Taylor et George Floyd, entre autres, notre motivation a été en quelque sorte renforcée puisqu'on a pu garder à l'esprit le sacrifice de ces personnes qui ont impacté le reste de la planète. Et ça nous a vraiment permis de surmonter nos défis, incluant les défis de la pandémie, et s'approcher de notre but de plus en plus. Nous avons donc eu, entre autres, l'idée de faire des 4 à 7 avec des avocats racisés dans plusieurs cabinets, dont nos cabinets commanditaires, et des balados pour le mois de l'histoire des Noirs où on discutait de sujets importants et on le diffusait à nos étudiants à la faculté. Mais lorsque nous avons souligné l'idée de faire une bourse pour les étudiants noirs, nous, au sein de l'équipe, on a vraiment commencé à travailler immédiatement sur ce beau projet, sur ce grand projet, en fait. Et il est évident que tout grand projet comme ça a un potentiel d'engendrer de l'opposition, mais notre équipe a vraiment entamé cette création de cette bourse avec brio et avec courage, et je tenais à soulever ce point. Puis juste pour conclure aussi, juste quelques mots sur la raison pourquoi nous sommes choyés d'avoir Maître Yolande James comme nom de cette bourse. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a un parcours professionnel inspirant et exceptionnel, mais vraiment pour ce qu'elle représente pour tous les étudiants noirs. Elle permet aux futurs juristes et futurs étudiants noirs en général de rêver à une vie où ils peuvent accomplir de si grandes choses et avoir un impact profond dans une société où ils sont minoritaires. Elle permet aux jeunes femmes noires de continuer d'oser et de briser les multiples barrières invisibles qui leur font obstacle en tant que femmes et en tant que personnes noires. Et elle est une fierté pour la faculté de droit. Elle mérite d'être célébrée en dehors de notre petit fan club au sein de notre association. Et donc, je tenais juste à dire aussi merci encore, Maître Yolande James, pour votre contribution à cette bourse et pour tout ce que vous faites pour les étudiants noirs. Je ne serais pas ici sans des personnes comme vous qui nous aident à franchir des barrières. Donc, merci. Merci beaucoup, Abdulaziz. Il y a une petite séquence émotion en même temps. On est tous un peu touchés de votre message. C'est très apprécié, je pense, par Madame James. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Donc, j'en profite pour saluer aussi les activités de l'association que vous avez évoquées et qui ont eu lieu sous votre présidence, et de féliciter à mon tour, comme l'a fait la doyenne Françoul, la nouvelle présidente Mariam Touré. Mariam, c'est bien ça. Je suis donc très heureuse de vous présenter notre troisième intervenante et invitée d'honneur, Maître Yolande James, qui est diplômée de l'Université de Montréal, mais aussi de l'Université Queen's. Élue députée de Nelligan en 2004 et réélue à plusieurs reprises, elle devient ministre titulaire de l'Immigration et des Communautés culturelles en 2007. Au cours de ce mandat, elle a créé et mis sur pied le programme Valorisation Jeunesse, dont l'objectif est d'offrir à des jeunes, principalement des minorités visibles, une expérience professionnelle déterminante et valorisante afin d'assurer une relève diversifiée et mieux préparée au marché du travail. En 2010, elle devient, on le sait, ministre de la Famille, première personne issue de la communauté noire à faire partie du Conseil des ministres du gouvernement du Québec, comme l'a évoqué notre doyenne Françoul. Elle fut également leader parlementaire adjointe de l'opposition officielle de 2012 à 2013. Yolande James est aujourd'hui avocate médiatrice, conférencière et modératrice lors des débats sur des divers enjeux de société, mais aussi, on le sait maintenant, DG pour diversité et inclusion auprès de Radio-Canada. Maître James, j'ai envie de dire
Chère Yolande, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous cède la parole et vous invite à répondre à la question suivante. Pour quelles raisons avez-vous accepté de prêter votre nom à une bourse d'admission à la faculté de droit de l'Université de Montréal? Merci pour la présentation, Virginie. Puis je vais répondre à la question. Je ne suis plus politicienne, alors je vais répondre aux questions directement. Je me permets la blague. Je veux tout d'abord, puis c'est avec vraiment beaucoup d'émotion, entendre à la fois la doyenne. Merci beaucoup pour vos mots et la présentation. C'est très apprécié. Et certainement à Abdulaziz, juste de vous entendre, j'ai pas les mots et c'est rare, ça arrive jamais. Mais je veux simplement vous dire, ainsi qu'aux membres de l'association, que je suis très fière. Là, je vais pleurer, non, mais je suis vraiment très fière et honorée. Et sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Ça part bien hein, de pleurer, mais ça me touche énormément, comme vous pouvez voir. Alors, je vais répondre aux questions. Bon professionnel. Et la raison que je pleure, en fait, c'est parce que quand on m'a proposé, puis je veux saluer José Saint-Martin, la première fois qu'on m'a abordé l'idée d'une bourse, je vais vous avouer, en mon nom, j'étais pas très à l'aise. J'étais pas très à l'aise parce que je me suis dit, mon Dieu, je suis déjà rendue has-been à 43 ans, ça se peut pas. Il me semble que je ne fais que commencer. Quelque chose qu'on fait en fin de vie ou après, en fin de carrière. J'ai vraiment pris le temps d'y penser, puis j'ai surtout accepté pour trois raisons. D'abord, parce que j'ai pensé à vous, puis c'est pour ça que j'ai tant d'émotions de voir aux étudiants. Puis je me suis dit, c'est l'occasion en or, d'une part, de mettre la lumière et d'élever des voix sur le talent dans la communauté. L'intelligence, le potentiel a toujours été là, puis c'est plus que temps qu'elle soit reconnue. Alors, c'est cette bourse peut contribuer à faire tomber ces barrières et faire en sorte qu'on puisse mettre la lumière sur vous. C'est sûr que j'ai le devoir d'agir. La deuxième raison, c'est vraiment, pour moi, j'ai le devoir de donner au suivant. J'ai eu une vie très privilégiée. Élevée dans un environnement où j'ai pas manqué d'amour, on n'a pas manqué de quoi que ce soit, beaucoup de valeurs, les bonnes valeurs. On n'était pas riche, j'ai grandi dans une maison modeste à Pierrefonds, fière de ça, mais surtout dans un environnement où l'éducation était la priorité. J'entends encore la voix de mon père qui n'est plus avec nous, mais ma mère est là, je ne la vois pas à l'écran, là, mais elle est là, je sais. Les deux répétaient, ne cherchez pas l'argent après la mort dans le testament, on ne laissera pas le lot de cash pour vous, ce n'est pas vrai, ce ne sera pas le cas, mais on va payer vos études, par exemple. Puis on va payer vos études jusqu'au bout. Puis ils ont fait le sacrifice pour ma sœur et moi, les sacrifices nécessaires pour faire en sorte parce que je n'ai pas eu le souci, on n'a pas eu le souci de préoccuper ou de se préoccuper justement du fardeau financier des études supérieures parce qu'ils l'ont fait pour nous. Et je savais à ce moment-là, mais je sais plus que encore plus aujourd'hui, à quel point que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tous les jeunes, ce n'est pas le cas encore pour les jeunes noirs. Et je pense que c'est une façon aussi, par une contribution, par ma contribution, mais aussi la contribution des autres. Puis je veux les nommer, les cabinets qu'ils font, notamment McMillan, McCarthy Tétrault, Norton Rose, Fulbright, Borden, Ladner, Gervais, Denton, Blake, Castles et Graydon, et Davis, Ward, Phillips et Weinberg. Merci beaucoup. Et d'autres qui s'ajouteront sûrement à la liste. Merci de le faire parce que, en fait, c'est une question de reconnaître que la diversité dans notre société, c'est un fait déjà. Mais l'inclusion, c'est un choix d'agir pour faire en sorte d'assurer
l'égalité des chances. Alors, ce n'est pas juste de le dire, de le reconnaître, c'est de l'agir. Alors aujourd'hui, par cette cérémonie, par cette bourse, vous me donnez cette occasion en or de faire ma part, puis je vais continuer de le faire. Alors, c'est moi qui vous remercie. Alors, à mon tour de dire merci. Merci pour ce beau mot d'introduction. Merci d'avoir salué aussi les partenaires, en tout cas les cabinets d'avocats qui ont eux aussi contribué à cette bourse à laquelle vous participez personnellement. La bourse ne porte pas seulement votre nom, mais vous y participez et on vous en remercie. J'invite le public à poser ses questions dans le fil de discussion, le chat situé en bas de votre écran. Et je vais m'y référer régulièrement pour vous être votre porte-parole. Je vous remercie par contre de rédiger des questions courtes et directes. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas néanmoins à les mettre puisque nous les transmettrons à nos trois intervenants. J'ai envie de débuter cet échange, Yolande, par la question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le droit lorsque vous avez fait votre choix de programme? Et puis, question subsidiaire, pourquoi l'Université de Montréal? En fait, j'ai toujours voulu être avocate depuis l'âge de 6 ans, peut-être 7 ans. Je voulais être juge, avocate, parce que gérer des conflits, pour moi, c'était ça. Un, c'est parler beaucoup dans ma tête, hein, dans ma tête de petite fille, c'était d'être bonne communicatrice puis de se défendre. C'était naturel pour moi de faire ça. Alors, j'ai toujours voulu être avocate. Alors, pour moi, c'était un rêve. Je ne pensais jamais faire la politique, bien sincèrement, mais j'ai toujours pensé faire carrière en droit international. C'est pas arrivé, mais on ne sait jamais. Je ne suis pas partie pour ça, mais voilà. Alors, c'est la raison, et évidemment, toute la question de la justice et de l'égalité, en ce que c'est en moi, puis ça l'a toujours été. Donc, c'est au cœur des raisons que j'ai voulu faire ça. Puis évidemment, à l'Université de Montréal, parce que c'était la réputation, encore, je peux vous dire, j'ai encore le souvenir d'ouvrir ma lettre d'admission de la faculté avec... en fait, je suis rentrée du cégep et c'est comme mon père m'attendait, ma mère était là, puis c'est comme il m'attendait avec l'enveloppe de main, il n'osait pas l'ouvrir, mais on savait que c'était ça. Et quand c'était de voir le grand moment de fierté, ça fait plus de 20 ans déjà. Alors pour moi, c'était... j'en garde des très bons souvenirs. Écoutez, c'est parfait. Je pense que la doyenne, ça doit la faire sourire d'entendre ça et ça doit certainement la satisfaire. Alors, vous êtes justement diplômée de l'U2M. Alors, oui, peut-être France, vous vouliez intervenir. Je vois que vous ouvrez votre micro. Juste pour dire un mot, que moi aussi, je me souviens quand j'ai reçu la lettre. ma copine avait reçu sa lettre la veille. Elle avait été refusée. Alors, quand j'avais la lettre entre les mains, je me suis dit, ça y est, je suis refusée. Je n'osais pas l'ouvrir. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, du courage. Alors, j'ai ouvert la lettre et je tremblais. Puis, quand j'ai vu que j'avais été acceptée, je suis partie à pleurer. Oui, c'était bon moment. Hein. On s'en souvient toute notre vie. C'est ça. Et puis, est-ce que vous aviez d'autres membres de votre famille qui étaient déjà à l'université ou pas vraiment? Vous étiez la première? C'est pour moi? Moi, c'est oui. La première. Oh, oui, bah, oui, j'étais, que... j'étais la première. Ah ben, Françoule aussi, hein, c'est la même chose. Mm. Ah ben, vous voyez, donc, vous avez tracé la voie. Alors, j'ai envie de voir, je vois la question de Pierre Noreau que je salue, et c'est très amusant Pierre parce Noreau! Que... Parce que moi aussi, j'avais cette question. Alors, je la cite selon les termes de Pierre. Quelle serait l'étape suivante à l'université pour favoriser l'intégration des étudiants noirs, selon vous? Mais en fait, cher Pierre, que je salue d'ailleurs, je ne suis pas la meilleure personne à répondre à cette question. Les meilleures personnes à qui parler, c'est les gens qui y sont actuellement, puis c'est d'être à l'écoute des étudiants noirs qui sont présentement à la faculté. C'est sûr que dans mon passage, puis maintenant dans mes nouvelles fonctions, mais j'ai appris que ce soit médiation, mais sur certainement lorsque j'étais à la tête des ministères, quand on veut gérer le changement ou mettre en plan des mesures pour favoriser une intégration, il faut d'abord et avant tout vraiment être à l'écoute des besoins des gens qui sont là maintenant, avant de penser même
mettre en place des solutions. Et surtout dans le contexte actuel, il faut prendre le temps d'être à l'écoute des besoins de cette population-là pour ensemble avancer, pour assurer une meilleure intégration. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette réponse qui me semble tout à fait adéquate. Et puis, j'ai envie de vous demander justement, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes, puisqu'on en parle, et notamment aux jeunes issus de la communauté noire qui songent à s'inscrire à l'université et particulièrement en droit? C'est faites-le. Même si vous avez des doutes, là, faites-le. Posez votre candidature. C'est sûr qu'il y aura des moments de difficulté, mais j'ai envie de dire surtout maintenant, sous-estimez pas votre valeur et la contribution et l'importance de votre contribution. Quand je regarde le milieu du droit en général, dans notre société, on est sous-représenté. Puis la diversité, ce n'est pas une question d'être politiquement correct, c'est pas ça. C'est une valeur ajoutée pour tous. Et vous avez cette contribution à faire et je veux surtout les encourager d'aller de l'avant puis de le faire malgré les doutes et malgré des critiques. Et d'être honnête en disant qu'il y aura des moments difficiles, mais vous allez voir aussi que vous allez avoir des alliés, des gens comme moi, je serai là pour vous appuyer dans vos démarches et votre parcours. Alors, Caroline Joseph, dans les commentaires, salue d'ailleurs votre contribution ainsi que celle d'Abdoulaziz. Donc, je vous partagerai l'ensemble des commentaires, Yolande, ne vous en faites pas. Mais c'est un très joli commentaire qu'elle partage avec nous. Il y a une question de James. Je m'excuse de ne pas prononcer le nom au complet puisque je ne le vois pas. Comment peut-on distinguer un programme d'inclusion d'un programme de promotion de l'égalité? Y a-t-il, selon vous, une différence? Oui, il y a une différence. James. Oui, il y a une différence, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vais le prendre sous l'angle d'un programme, mais surtout dans la fond de la signification du mot, par exemple, de ce qu'on peut faire. C'est un peu ce que je disais d'entrée de jeu. Quand on veut parler, c'est important de faire de la promotion, donc de parler de l'importance de la diversité, de l'inclusion. Quand on parle de diversité, pour moi, en soi, il s'agit d'assurer une représentation de tous, mais l'inclusion, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde a les mêmes opportunités, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas juste une question d'être présent puis d'être là. C'est de s'assurer que ce soit de la réceptionniste au CEO qu'on ait accès aux mêmes opportunités. Et là, là-dessus, vous allez être d'accord avec moi qu'on a du chemin à faire. Oui, on a du chemin à faire encore. Mais avec votre nouveau poste, je sais que les choses vont changer, mais revenons plutôt à notre sujet d'aujourd'hui. Et j'ai envie de, dans votre présentation, dans la présentation que j'ai faite de vous un peu plus tôt, j'ai mentionné que vous avez été, et tout le monde le sait, les personnes présentes ici. Pour votre information, nous sommes 64 personnes présentes. Merci à vous toutes et toutes d'être ici. Bonjour, avec nous. Merci d'être nombreux. Oui, on avait plus de 100 personnes inscrites, donc on a été tout à fait ravis de votre accueil. Et j'ai envie de vous demander, vous avez donc été la première personne noire à faire partie du Conseil des ministres et vous avez siégé pendant 10 ans à l'Assemblée nationale. Par extension avec la question que je vous posais plutôt sur l'inscription à l'université, que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite s'engager en politique? J'ai envie de donner la même réponse, mais je suis tout à fait consciente que c'est pas évident, le contexte est pas évident, mais si vous le faites pas, comment allons-nous s'assurer que votre voix soit entendue? On peut pas toujours laisser ça aux autres, surtout quand on a le talent, puis je sais qu'on est riche, je parlais tout à l'heure de talent, puis on a la volonté, on a comme une espèce de responsabilité d'aller puis de porter la voix des gens qui ne peuvent pas le faire. Alors moi, je les encourage évidemment à le faire. C'est sûr aussi de rappeler que ce n'est pas vrai. Malgré des fois, les gens ont parfois une perception
que tout va, puis que tout est en place et tout va bien. Je tiens à vous assurer que ce n'était pas du tout mon expérience. J'ai eu des moments difficiles, puis j'en parle avec fierté aussi pour juste rappeler aux gens que c'est un peu normal de parfois se sentir pas à sa place, surtout quand on est quand on est dans un environnement où les gens ne nous ressemblent pas, je vais dire ça comme ça. Mais sachez que c'est votre place, puis il faut la prendre. Vous parlez de talent, de partage de talent et de temps. J'ai envie de faire une petite infopub pour le réseau. Sachez que si vous êtes parmi nous et que vous êtes un diplômé ou une diplômée de l'UdeM, nous, ce que l'on souhaite, c'est vous mettre de l'avant. Et donc, comme le fait aujourd'hui Yolande James, on vous invite à partager de votre temps avec nous dans des événements où vous seriez conférencier, ou de votre talent si vous avez un talent dans votre formation professionnelle ou autre. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du réseau, réseau.rumontréal.ca. Lisez vous mettra ça dans le fil de discussion. Selon vous, Yolande, comment vos études en droit vous ont-elles aidé justement dans votre parcours professionnel? C'est vrai qu'on dit que le droit mène à tout, c'est vrai. À la fois la question du discipline et le sens critique. Dans tout ce que j'ai eu à faire, que ce soit dans l'étude des politiques, des projets de loi, élaborer ces choses-là, dans mon travail que je vais entreprendre dans quelques jours aussi, c'est d'être capable de bien analyser et développer ce sens critique-là. Je l'ai vraiment appris durant mes 3 années à l'Université de Montréal. Et on ne le perd jamais. On fait juste l'appliquer à chaque étape. Et dans mon cas, je souhaite m'améliorer à chaque fois aussi, mais je pense que tout le monde a le même souhait. Alors, c'est une formation qui peut évidemment cheminer vers des parcours plus traditionnels. Ce n'était pas mon cas. Alors, c'est vrai quand on dit que le droit mène à tout. Ça a été pour moi la fondation. Et puis, c'est ce que vous vouliez faire étant enfant. Donc là, vous avez totalement poursuivi votre rêve. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours facile. Bravo. J'inviterai les gens qui le souhaitent encore une fois à passer leurs commentaires dans le fil de discussion s'ils le souhaitent. Posez vos questions, comme l'indique Lindsay, qui vous a également mis le lien vers le site du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal. Alors, petite question un petit peu amusante, Yolande. Quel était votre lieu favori sur le campus? Et alors, une autre question subsidiaire que je vous pose tout de suite. Qui c'était votre prof préféré? Oh non! Vous pouvez dire plusieurs noms. Allez, je vous autorise. Mais en fait, je vais répondre à la première question. D'accord, vous ne prenez pas de risque, allez-y. Ça va surprendre. Peut-être, je vais dire la cafétéria, pas parce que je mangeais la bouffe, la cafétéria, mais je vais le dire, j'avouais que ma mère, j'habitais encore à la maison, oui, et ma mère faisait encore mes lunchs. Oui. Okay. C'est super. Et j'adorais la cafétéria parce que après, souvent, on avait comme c'est des cours de 3 heures. Je ne sais pas si c'est encore des blocs de 3 heures de cours. Après le cours de l'avant-midi, on se retrouvait, les collègues de la classe, à manger ensemble. Puis encore là, quand je pense à mes années à l'université, c'était souvent la cafétéria. C'est mon lieu préféré. Sinon, j'invite les gens qui sont des étudiants et ou des diplômés de l'Université de Montréal. Peut-être partagez-nous dans le fil de discussion, on va s'amuser. C'est quoi mais votre lieu? Je suis convaincue qu'ils auront des réponses plus intéressantes. Mais... Moi, c'était pas loin, c'était la place Laurentienne. Moi-même, je suis une diplômée, puis c'était la place Laurentienne. Mais elle est en rénovation en ce moment, donc elle va être encore plus belle. Yolande, continuons sur les petits jeux. Je vais m'amuser avec vous et non pas à vos dépens, bien évidemment, soyez rassurés. La faculté de droit, elle diffuse de temps à autre les résultats du questionnaire de Proust auquel elle soumet ses professeurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le questionnaire de Proust, c'est un outil destiné à mieux connaître finalement les gens à partir de questions qui sont déterminées à l'avance. Est-ce que vous me permettez, Yolande, de vous poser quelques-unes de ces questions? D'accord. Attention, Yolande n'a pas eu les questions par avance, je tiens à vous le dire.
Alors, peut-être avant qu'on passe au questionnaire de Proust, je vois qu'il y a quand même quelques questions. Alors, d'abord, Lidvine qui dit oui, la cafétéria de droit, elle aussi, pour me secourir, j'imagine, en théologie, ou pour mon secours en théologie. En tout cas, elle aussi, c'est la cafétéria. Je pense que c'est Amici aussi qui salue l'initiative. Et je pense qu'il y avait une question. Alors, attendez, il me faut un petit instant pour lire l'ensemble de la question. Les employés de l'UdeM viennent de créer un caucus pour faire entendre leur voix. Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être que je vais relire. Je salue l'initiative et invite toutes les personnes impliquées, notamment M. Atta et Maître James. Une question pour Maître James. Les employés de l'UdeM viennent de créer un caucus pour faire entendre leur voix, donc la communauté noire, de ce que je comprends. Qu'en pensez-vous personnellement? Accepteriez-vous notre invitation à partager votre expérience avec les membres dans les mois à venir? Alors là, on vous met un petit peu... vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Je vous laisse. En général, j'adore accepter des invitations pour rencontrer les gens en général. Ça ne me met pas du tout mal à l'aise. On pourra en convenir d'un moment, au contraire. Mais est-ce que j'aime l'idée d'un caucus? Oui, parce que, on voit souvent ces groupes-là, c'est une façon à la fois de se retrouver, d'être en milieu de confiance, de partager nos expériences, de savoir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit aussi. Alors, moi, je pense qu'un caucus est toujours une bonne idée. C'est aussi une façon de s'aider à travers des difficultés ou se donner des moyens aussi d'avancer. Alors, c'est une très bonne idée. Au plaisir de vous rencontrer éventuellement, je ne sais pas. on va sûrement convenir d'un moment. Alors, avant de passer encore une fois au questionnaire de Proust, Lindsay, mon collègue, m'informe qu'il y a une autre question de Charles dans le fil de discussion qui est… Une autre invitation. Charles Moumouni. Alors, je vois les questions en même temps que vous, Yolande. Alors, attention. Okay. En autant que ce n'est pas mon fils qui est… parce qu'il voit toujours faire ses devoirs. Non, bon. On voit. La question précédente était d'Amici qui est professeur à la faculté de droit de l'UdeM. Et là, Charles Moumouni à Laval demande « Quelles recommandations feriez-vous à l'endroit des facultés de droit, du barreau et des cabinets d'avocats pour rendre effective la diversité et l'inclusion ?» Ouh, mais c'est parce que… Il aurait fallu faire une conférence d'une heure pour répondre à cette question, juste parce que il y a tellement d'enjeux touchant. Bon, juste répéter, c'est pour les facultés, le barreau. Les facultés, le barreau et les cabinets d'avocats pour rendre effective la diversité et l'inclusion. Mais je vais revenir sur le même thème, c'est-à-dire de la journée. Présentement, que ce soit surtout au niveau de la communauté noire, mais c'est vrai pour les minorités visibles, on est sous-représenté, que ce soit dans les facultés, dans les grands cabinets, donc au barreau. C'est de prendre les moyens, que ce soit par le biais du recrutement, d'assurer une bonne intégration, que les gens sont et que leur voix soit entendue. C'est simple, mais en ce moment, il y a du chemin à faire sur ces aspects-là. Et je pense que c'est une façon d'agir sur la question. Pour la faculté, je vous dirais, il y a aussi la constitution d'associations d'étudiants, comme celle qu'a présidée Abdulaziz Atta. Ça peut être une autre façon de donner de la visibilité à la communauté noire auprès des étudiants. Je ne sais pas si c'est une initiative qui existe dans d'autres facultés, mais en tous les cas, elle est peut-être à reproduire. Mais j'ai un préjugé favorable pour l'association noire de l'Université de Montréal. Évidemment. Je le déclare. On s'en doute. Alors, il y a Myriam Villain qui nous demande « Bonjour, Madame James, une meilleure inclusion passe souvent par une meilleure éducation. Pensez-vous que certains cours devraient être intégrés dans le cursus universitaire ou celui du barreau afin de sensibiliser les futurs juristes à la réalité des personnes issues de la diversité ?» Absolument, absolument, notamment quand il s'agit de la contribution. Juste quand on revient sur les événements de cette semaine, les 215 enfants, puis encore là, c'est l'émotion, juste l'éducation, voilà l'importance du rôle de l'éducation pour tous.
c'est vrai, passera à l'histoire du pays et des Autochtones, c'est vrai aussi pour l'ensemble des différentes communautés puis de leur contribution au pays. Alors, à la base, pour répondre à la question, oui, il faut agir, ça passe par d'abord et avant tout l'éducation. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Merci à toutes celles et ceux qui posent des questions dans le fil de discussion, c'est très apprécié. J'arrive à mon questionnaire de Proust. Alors, il est déjà 5h, presque 10, donc je vais me limiter à deux questions. La première, c'est: que feriez-vous si vous ne pratiquiez pas le droit? J'exclus la politique. Je serais directrice générale de diversité inclusion à Radio-Canada. Bravo! Excellente réponse. L'autre question que j'avais, c'était: quel est le texte le plus difficile que vous avez eu à écrire? Alors souvent, je vous dis tout de suite, souvent les professeurs à la faculté répondent leur thèse. Mais vous, c'est de votre fait. Côté, quel a été le texte le plus difficile que vous ayez eu à écrire? En fait, c'est une bonne question. Merci. Mais je sais que c'était en deuxième année. On avait le cours de rédaction. Je pense qu'on devait... je ne pourrais pas vous dire le titre, même le nom du professeur, mais on avait à écrire à la fois une analyse juridique de nos... Alors, je trouve la première fois... En fait, je vais être... C'est pas une réponse très précise, mais à chaque fois que c'est la première fois que j'ai à écrire quelque chose, c'est toujours très difficile. C'est sûr, ça demande un effort, l'écriture. Alors, je pense que c'est vraiment en deuxième année qu'on nous a présenté avec l'exercice d'écrire des avis juridiques. Alors, c'est comme rester. Moi, j'ai même pas en tête le titre ou les causes qu'on a mis en tête, mais c'est la première fois. C'est un défi. Alors, est-ce que c'était le plus difficile? Probablement. Mais la dernière question. Je suis déjà rendue trop vieille, alors je peux pas vraiment. J'ai pas. Ça pourrait être en dehors de vos études, hein. Vous pourriez me dire, j'ai eu à écrire quelque chose de plus difficile, puis ça peut être. Ah, c'est sûr qu'en politique. Ouf. Oui. Il y en a eu. D'accord. Alors, la dernière question, peut-être, ce serait. Et là, c'est entendu dans un sens très général, hein. Quel livre vous a semblé le plus révélateur? Oh, révélateur. Oh. Inspirant. Quel est votre livre préféré, quoi, j'ai envie de vous dire? Peut-être pas préféré, parce que ça change, mais je veux dire, dernièrement, c'est parce que moi, j'adore les biographies, parce que entendre l'histoire des vies. Alors, j'ai pas encore lu celui de Barack Obama, mais encore, j'ai adoré celui de Michelle Obama. On voulait l'inviter, elle n'était pas disponible. On l'a regretté. Mais Virginie, l'année prochaine, je m'attends à ce qu'elle soit là. on va travailler là-dedans. Quand on aura nos étudiants qui bénéficieront de la bourse, on fera un événement. C'est un rendez-vous. Tout à fait. Alors, à vouloir nier leur excellent travail, sûrement. Absolument, absolument. Alors, je vois que le temps file et si il n'y a pas d'autres questions qui se sont ajoutées dans le fil de discussion, j'ai envie de laisser le mot de la fin, donc un petit mot qui serait présenté par à la fois la doyenne Françoul et vous, Yolande James. Donc, si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne de cette activité d'aujourd'hui ou de cette fin de journée? Alors, je donnerai d'abord la parole à France, puis à Yolande. Ah, France, vous n'avez pas allumé votre micro. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et pour ce qui est de ce que j'aimerais, donc qu'on se souvienne, c'est plutôt, ce serait de dire que c'est le début d'un mouvement avec le groupe, le caucus qui a été créé par Annecy et les personnes et les employés noirs de l'Université de Montréal, pas juste la faculté. Et puis aussi un message pour vous dire que en tant que doyenne, moi, je me suis engagée à mettre en place plusieurs projets, dont certains qui sont déjà en cours. Alors, dès cet automne, à la faculté, on va avoir un plan d'action équité, diversité et inclusion et relations avec les premiers peuples. Et on vise à accroître la représentation des groupes de la diversité à la faculté, la participation aussi dans toutes les instances,
l'accompagnement des étudiants pour assurer leur réussite. Et parce qu'on veut vraiment qu'ils se sentent impliqués et valorisés dans le développement de la vie facultaire. Alors, je pense que ça, c'est déjà un début et je compte sur tous les étudiants de la faculté de droit qui sont ici aujourd'hui pour participer à un forum qu'on va mettre sur pied. En fait, c'est Aminata Ball, que vous connaissez sans doute, qui va l'organiser avec moi. Et on espère que vous y serez là, pour mettre sur pied des projets, des idées. Alors, merci pour votre aide dans le développement de ce projet et dans le développement de tous les autres projets de la Faculté de droit. Merci beaucoup. Donc, de beaux projets et de belles activités présentées par Françoule, doyenne de la Faculté de droit de l'UdeM. Merci beaucoup. Yolande, la parole est à vous pour ce mot de la fin. Ah, simplement pour vous remercier encore une fois. J'aurais tellement voulu qu'on puisse faire ça en personne, mais en même temps, ça me fait du bien de voir que vous êtes beau, vraiment. Et de vous dire que je comprends qu'on vit une période difficile. La dernière année et demie a été très difficile, tout particulièrement à cause de la pandémie. Mais Abdoul, tout à l'heure, revenait sur les événements de l'été dernier, les manifestations et toutes les discussions, au-delà des discussions, encore les gestes qu'on a posés pour s'assurer que tout le monde puisse prendre leur place. Alors moi, je veux simplement, bon, non seulement vous saluer, mais vous encourager à la prendre, cette place. Il y a vous avez des alliés qui vont faire du coup pour s'assurer que votre place est libre à la table. Maintenant, c'est à vous de la prendre et de prendre la parole et de dire haut et fort ce que vous vivez, ce que vous pensez pour qu'on puisse sensibiliser et avancer ensemble. Parce que cette question-là, ce n'est pas une question de représentation puis d'inclusion. Oh, c'est ma montre, à part à parler tout seul. C'est pas la responsabilité d'une personne ou d'une équipe, c'est une responsabilité partagée que nous avons. Alors, moi, je vous encourage à continuer de dire que tous ensemble, je suis convaincue qu'on va faire des pas et des pas de géant. Merci beaucoup, Madame James. Un beau message de fin. Je voudrais maintenant céder la parole à ma collègue et co-organisatrice de cette activité, José Saint-Martin, qui est conseillère en développement philanthropique, afin qu'elle vous indique la procédure au cas où vous souhaiteriez contribuer ou même soumettre vos candidatures à la bourse Yolande James. Madame James, juste à remercier, Merci, José. Merci à vous, Yolande. Merci beaucoup. Merci, Virginie. La bourse d'admission Yolande James pour un ou une étudiante noire nouvellement admise au baccalauréat en droit sera offerte dès cet automne. Les étudiants et les étudiantes intéressés et répondant aux critères pourront soumettre leur candidature entre la mi- et la fin septembre. Ma collègue, d'ailleurs, Lindsay Dora, vous partage à l'instant dans le fil de discussion le lien pour soumettre votre candidature. De plus, ceux et celles qui souhaitent contribuer au fonds de bourse d'admission Yolande James, qui nous permettrait d'offrir plus de bourses ou encore d'augmenter la valeur de la bourse, qui est actuellement de 1 000 peuvent le faire également au lien que ma collègue Lindsay vous met également dans le fil de discussion. Merci de votre intérêt pour la bourse Yolande James. Merci à tous et à toutes et bonne fin de journée. Je laisse la parole à ma co-animatrice ou co-organisatrice, Virginie. Merci. Merci José pour ces détails. Vous retrouvez l'information, n'hésitez pas à regarder dans le fil de discussion. Vous avez à la fois les informations si vous voulez faire acte de candidature, mais aussi si vous voulez contribuer. Plus il y aura de contributeurs, plus il y aura de bénéficiaires. Merci José aussi pour ta présence et ta collaboration toujours précieuse. On arrive donc au terme de cet événement. On espère que vous avez aimé cette nouvelle formule qu'on a testée aujourd'hui, puis les thèmes qui ont été abordés. On place dans le fil de discussion un lien, encore une fois, mais cette fois-ci vers un très, très court sondage qui vous prendra une minute pour y répondre, pour améliorer nos prochaines activités. N'hésitez pas à y répondre. J'aimerais
très, très chaleureusement, au nom du réseau et au nom de la faculté, remercier nos trois intervenants, la doyenne France Soul, maître Yolande James et monsieur Abdelaziz, Atta, pour leur participation à cette activité. Un grand merci en particulier aussi à l'Association des étudiants et des étudiantes noires en droit de l'UdeM et au cabinet d'avocats qui ont contribué à la bourse Yolande James. Je remercie Lindsay Dora-Germain, ma collègue, qui a pris en charge le fil de discussion, et Jocelyn Trottier, qui était à la technique. Enfin, un merci à notre partenaire d'affinité TD Assurance, qui nous aide à soutenir les activités du réseau. Merci surtout à vous, cher public, vous êtes encore 56 personnes connectées. Votre présence est toujours très, très appréciée. C'est pour vous qu'on fait tous ces événements. C'était Virginie Mesguiche pour le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.